Ah non, 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 Monsieur Duroy, là par contre ça va aller trop loin on là y pardon. va, on y va, on y va. Allez, vas-y, montez. Là, là, vous descendez de la Montez, voiture. montez, montez, montez. Hello? Where are you? You're what? Missing it. Get down here right now. What? Where are you? We're in the tunnel. You have 5 minutes. Get down here right now. Okay. Hurry up. Vous êtes mal, hein. Vous êtes très très mal. Monsieur Dureuil. Ouais. Ouais, vous savez pourquoi je vous arrête? Absolument pas. Absolument pas. Alors. Ah non, non. Et vous êtes à jeun là ou pas là? Ouais. Ouais, je sais pas, à votre voix, j'ai pas la pression. Ah, quand même. Ah oui, ah oula, oui. Un petit peu l'alcool quand même. Mais non, pas du tout, qu'est-ce que vous dites? Oui, je crois que. Moi aussi, c'était que ça. C'est dommage que j'ai pas mon étilo-tête là, mais à mon avis, ça doit pas être beau. Salut, squad! Mais vous inquiétez pas. Au Call of Duty. Je roule parfaitement bien. Ouais non bah là je vous arrête tout de suite. Ah, monsieur Duroy. Quoi? Ah les menottes ça me sert. Ah ça quoi ça vous sert? Là ça vous fait quoi là? Yeah. Vous allez vous taire. Monsieur Rhys, il devait vous emmener où? Oui. Il devait vous ramener où? Bah à la base, j'étais client du taxi. Il m'a proposé de faire une course gratuite. Non, je suis pas sur le serveur de Kamak, je suis sur le serveur de Eternity RP. C'est pas tellement où. Il m'a pas dit où il allait, il m'a dit qu'il allait monter dans un endroit mystère, donc je sais pas. Monsieur, vous restez, ouais, vous restez dans le véhicule. Bon, monsieur Red, j'allais devoir rentrer chez vous à pied. Hein. Là, je dois l'emmener au commissariat, ok? Ouais, ouais, je vois ça. Ouais. Je vous laisse, hein. Bientôt. Bonne. Je vous l'avais dit que c'était pas une bonne idée, monsieur. Vous avez l'air d'être bien fait, monsieur Duroy. Monsieur Duroy. Allez. Golf 4 pour Golf 3. Oui, j'écoute. Venez au niveau du commissariat, j'ai arrêté monsieur Duroy en état de. Et là, il faudra rapatrier son véhicule à la Foria avec les Montanagro, tu pouvais vous en charger. On est vers quel secteur du commissariat? À droite du commissariat. Monsieur Duroy. Vous allez me suivre. Allez, hey. Hey. Avance. Ouais. Et allez, allez. Ah, c'est pas mal ça pour un chauffeur de taxi d'avoir vu comme ça. Allez, dans la cellule du milieu là. Vous pouvez là, allez.
Et puis je vais aller taper mon rapport, regarder un petit peu et je vous ferai un petit rapport pour vous pour ce que vous allez avoir après, d'accord? Donc là il est 23h04, donc votre condamnation commence à partir de maintenant. Bon, monsieur Duroy, est-ce que vous êtes en état de répondre? Ah, Ça c'est pas m'a. bonne qu'il y a dans celle-là. Oh. Ah, parce qu'en plus, vous fumez de la cannabis là. Eh ben, vous allez m'écraser ça tout de suite. Arrêtez-moi ça tout de suite. Eh ben, on va alourdir votre peine. Ouais, et bah je reviendrai dans 5 minutes. Je vais aller réfléchir encore un petit peu. Là, il va prendre cher là. Ouh, il va prendre. Et bah alors, monsieur Duroy. On se calme un petit peu. Un petit ster. Ouais. Vous avez repris un petit peu vos esprits ou Golf pas? 4 ici, Golf 3. Écoute. Ah, je prends mon fin de service. Bonne soirée à vous, Golf 4. Bonne soirée. Alors, monsieur Durio, on s'est calmé. Vous avez repris un peu vos esprits. Ouais, voilà, J'aimerais encore. tirer une petite clope. Ouais, bah, vous fumerez votre clope quand vous sortirez de là. Bon, Que de cannabis. hein, comment? Non, 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 mais arrêtez ça, monsieur Duroy. Monsieur Duroy, arrêtez ça tout de suite. Monsieur Duroy, arrêtez ça tout de suite. Dites d'arrêter. Eh bah, eh bah, eh bah. Arrêtez, Me touchez arrête. pas. Bon, reculez contre le mur. Vous vous mettez contre le mur. Contre le mur. Vous ne bougez pas. J'ai pas mes menottes sur moi, c'est pas grave. Vous bougez pas, vous restez contre le mur. Bon, fumer une petite. Ouais, bah fumez votre cigarette, comme ça on aura la paix. Yashi. Yashi. Mettre un peu de cannabis. Et je peux savoir où est-ce que vous la trouvez cette cannabis? Ah, je l'ai acheté. Et vous l'avez acheté où? J'ai posé une question. Un méga sûr. Un de vos gars sûrs, c'est-à-dire? Je peux pas vous dire. Et bah si, il va falloir parler là maintenant. Vous m'avez frappé. Parce que vous n'écoutez rien. Quel droit vous permettez de me frapper? Comment? De quel droit vous permettez de me frapper? Pas parce que vous m'avez pas écouté, je vous ai mis une claque pour que votre cigarette tombe par terre. Tchoui. Donc maintenant, je vous ai posé une question. Avez-vous des noms? Je vous ai posé une question, monsieur Duroy. Attendez. Hop. Qu'est-ce qu'il y a? D'où vient cette drogue?
Ah, c'est un méga sûr, comme je vous ai dit. Et il a un nom, ce gars sûr? Ouais, je sais c'est qui, ouais. Et alors? Ah, je crois ça, mais il s'appelle Rodriguez, quelque chose comme ça. Vous vous foutez de ma gueule? Là, vous me demandez un nom, je vous donne un nom. Ouais, surtout le Rodriguez, le cas des Rodriguez. Je sais pas moi, et un mec à capuche est venu me voir et m'a dit tu veux du cannabis pour ce soir, j'en ai acheté. D'accord. Bon, là, il vous reste 6 minutes de garde à vue. Donc, pendant les 6 minutes. Eh, on se calme. On se calme. Donc, Ah, pardon, 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 pardon. Non, ah! reculez, Ah! reculez, reculez d'un pas. Vous m'avez frappé. Ouais, et vous venez de Ah! faire quoi là? Vous venez de me frapper aussi, non? Ah, j'ai juste touché les cheveux. Ah oui, toucher les cheveux, oui. Bon. Il vous reste donc 6 minutes de garde à vue. Et pendant les 6 minutes, je vais vous expliquer un petit peu. Conduite en temps. Vous avez pas envie que je parle là, en fait. Allez. Mamboleya, mamboleya. Arrêtez ça tout de suite. À 3, vous arrêtez. 1, 2, 3. Ah, vous comptez bien en même temps que moi, c'est bien. Vous voulez un peu de cannabis, c'est ça, Jean? Voilà. Et en plus, Attendez, je vous vous donne en ça, avez vous n'êtes encore sur vous, pas. là? Ah, attendez, je vous donne ça, vous n'êtes pas. Ah, je crois que ça marche pas aujourd'hui, je suis pas sûr, mais. Je vous en ai donné 10 grammes, tenez. Oui, bien sûr. J'en ai beaucoup. J'en prends bien note, je montrerai ça à la commissaire sans problème. En tout cas, pour ce soir. Oui, vous pouvez vous énerver dans vos petits coins là. Faites bien attention. Pardon, 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 j'arrive pas, pardon. Et là, vous allez vous calmer tout de suite, là. D'accord? Vous vous calmez. Vous restez contre le mur maintenant, là-bas. Oui, prenez un Ah, ils ont ma selfie, tête, regardez. oui. Bon, monsieur Duroy, Regardez, expliquez un peu. regardez, Bon, regardez, maintenant, ils vous sont vous taisez, crispés vous vous là. taisez, vous vous taisez. Je ne veux plus entendre le son de votre. Donc, vous avez été pris pour excès de vitesse, moins de 20 km heure. Bon, c'est pas grave, faites votre malin. 90 euros d'amende avec moins un point sur votre permis. Vous allez avoir mal à la gorge, hein, c'est pas. Ensuite, conduite dangereuse, article 10-4, 35 euros d'amende. Ça va, ça vous faites. Ensuite, conduite en état d'ivresse. Ouais, vous applaudissez, vous applaudissez pour vous, c'est bien. 400 euros de dollars, moins 8 points sur votre permis. Donc en tout, ça fait déjà moins 9 points sur votre permis. On a déjà fait un petit peu beaucoup pour un chauffeur de taxi. Ah oui, ah oui. Violence volontaire, bien entendu. 700 dollars. Arrêtez ça tout de suite là. Vous arrêtez ça tout de suite là. Là, ça commence à bien faire là. Hein. Écartez-vous. C'est vous qui allez arrêter dans votre coin là-bas. Vous ne bougez plus. Maltraitance, regardez-le, Oui, bien sûr, maltraitance. oui. Un petit ch'tère. Ça va aller, oui. Donc, j'en étais donc à l'article 10, donc moins 8 points, et ensuite. Consommation de substances illégales, 200 euros dollars. En tout, vous avez 25 minutes d'arrêt. Vous avez bien compris? Non? Vous avez compris? Pas compris? En fichier.
Et en tout et pour tout, vous avez. Ah. Bah, forcément, votre appel. Je suis le seul sergent de la soirée. C'est pas un souci, monsieur Durail. Et vous avez en tout et pour tout. Ah, pardon. Pardon. Ah. Arrêtez ça tout de suite, monsieur Durail. Arrêtez tout de suite. Ah, j'ai pas fait exprès. Vous arrêtez tout de suite. Et là, ça commence à bien faire là. Hein. Et là, depuis tout à l'heure, je suis très calme. Je reste très patient, mais là, à un moment donné, ça va mal finir pour vous. Vous reculez, vous reculez. Reculez. Je croyais que c'était fermé à clé. Excusez-moi. Reculez. Ah. Reculez. Ah. Vous avez un peu de cannabis, monsieur l'argent? Vous arrêtez ça. J'ai du bon jeter. J'ai du bon jeter. Vous vous calmez? Bon, vous allez pouvoir sortir dans quelques minutes. Je vais pas vous faire payer l'amende tout de suite. On va voir ça demain. Vous allez passer une bonne nuit chez vous. Vous allez appeler pas un taxi parce que de toute manière il n'y a plus de taxi pour la soirée. Merci monsieur Duroy. Vous arrêtez ça tout de suite là. C'est pas une déchetterie ici. Hein. Vous allez vous calmer. Duroy. Arrêtez. Vous pétez les oreilles monsieur Duroy. Monsieur Duroy, vous arrêtez. Vous arrêtez tout de suite. À 3, je vous remets un autre coup de taser. 1, 2, 3. Vous arrêtez tout de suite, monsieur Duroy. Je regarde mes courses pour ce soir avec le client. 3. Monsieur Duroy, vous arrêtez. Vous êtes un homme mort. Ouais, mais je vais m'occuper de votre cas, monsieur Duroy. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Donc du coup, je rajoute un article sur votre dos, hein, monsieur Duroy. Allez, je pars. Vous reculez depuis chez vous. Reculez. Je pars, ma peine. Reculez. Ah là, ça fait mal là, pas. Et Duroy? J'appelle un médecin pour vous, monsieur Duroy? Là, il n'y a plus de médecin. Monsieur Duroy? Monsieur Duroy? Monsieur Duroy est appelé au bureau d'accueil, monsieur Duroy. Là, il n'y a jamais de médecin. Monsieur Duroy, est-ce que vous me recevez? Monsieur Duroy? Le téléphone. Hein?
Monsieur Duroy, vous me recevez? Monsieur Duroy. Heureux, Vas. Monsieur Duroy, vous me recevez? Monsieur Duroy? Monsieur Duroy, vous m'entendez? C'est ça quand on joue avec les nerfs, monsieur Duroy. Mon cannabis. Je crois qu'il est en train de patauger dans le sang, votre cannabis là. Ah. Ah, vous avez appelé un médecin, monsieur Duroy? Ah non. Ouais. Monsieur le Duc, c'est un message. Monsieur l'agent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, monsieur Duroy. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur l'agent? Je viens de me réveiller, on m'a dit que vous m'attendiez, que j'avais fait quelque chose de mal. Je Ah comprends bah. pas. Ah bah oui, je vois que avec l'effet d'alcool, vous vous souvenez de plus rien du tout là. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est Oh passé? mon Bah, vous avez Dieu. conduit en état d'ivresse. Vous m'avez agressé à la Oh cellule. non! Et Oh vous avez fumé non! du cannabis dans la cellule. Donc là, vous allez Oh payer cher là. non! Ah si. Oh non! Oh Là, non! là, en tout et pour Non! tout, vous allez perdre Non! 9 points sur votre permis. Donc déjà 9 points sur 12, ça fait pas Oh beaucoup après. non! Et vous avez une amende de Non! 1425 euros à payer. Oh non! Oh mon Dieu, mais c'était. Oh. Hey, je t'écoute. Est mort de S'il vous plaît, monsieur l'agent, vous connaissez mon statut. Je peux pas me permettre que ce genre d'informations. Ah, Je mais moi non plus, je peux pas me permettre de laisser suis un passer ça. petit. Je me suis peut-être un peu trop emballé à la soirée. Un petit Je peu, oui. m'excuse, je vous paierai les frais médicaux, je paierai tout ce qu'il faut. Mais s'il vous plaît, faites pas afficher ça sur le rapport. Et on fait quoi alors? Ce que vous voulez, mais ne l'affichez pas sur le rapport, l'affichez s'il vous plaît. Et puis... Ouais. Je vais perdre mon entreprise. Eh mais monsieur Duroy, il fallait y penser S'il vous avant. plaît. Mais comment vous voulez que je passe quand Hein. je suis dans cet Non, état mais que vous m'avez décrit? y a des choses que je peux peut-être laisser passer, mais il y a certaines choses que je ne pourrais pas laisser passer, hein, monsieur Duroy. Ah, s'il vous plaît. Ah, bah, oubliez la pseudo-agression que je vous ai faite. Ah oui, Et oubliez la l'agression, ça, moitié. l'agression, je vais l'oublier. Allez, le petit joint, je vais l'oublier, mais après, le reste, je suis obligé de le laisser, monsieur Duroy. Conduite sous emprise d'alcool? Ça, je suis obligé de le laisser. Ah, s'il vous plaît, vous dites juste que j'ai raté un feu. Oui, bien sûr, bah voyons. Cet homme, Oui, c'est pas monsieur vengé. Duroy. Oui, monsieur Tom, oui, je vous écoute, monsieur Duroy. Concrètement, vous voulez combien? Ah non, ah, ça s'appelle de la corruption, ça par contre là. Non, mais je veux dire, combien vous voulez de sucettes? Ah, comment ça, du sucette? Pardon, de sucettes. C'est les émotions. Non, mais je peux vous offrir des services gratuits à mon entreprise. Bien évidemment. Je ne parlais pas d'argent, de corruption, de quoi que ce soit. Et je suis en Mais train de sur votre regarder ce permis, que quand je vous ai même. mis. Je suis en train de regarder ce que je vous ai mis. Donc l'excès de vitesse à moins 20 km/h, ça je vais être obligé de le laisser. Donc vous avez quand Ah, même. pardon. Ah, pardon, pardon. Pardon, attendez, j'ai mon billet qui a glissé. Monsieur Tom, pardon. Ah bah Ah, je l'ai. Ah bah je l'ai refait tomber. Vous l'avez Ah, trouvé là, il était à votre attendez. pied là. Ah, attendez, mais je crois que c'est le vôtre. Attendez, je vous le rends quand même parce que j'aimerais pas vous voler.
Ah, vous l'avez fait tomber, je vous le remets dans votre poche. Bon, alors écoutez-moi bien. Oui. Je vais juste vous mettre excès de vitesse moins 20 km/h. D'accord. Ah, je vous remercie, monsieur Tom. Normalement, il y avait bon, il y a 90 € d'amende, mais bon, ok. Et vous aurez quand même moins 1 point sur votre permis. Ah, je vous remercie. Vous me sauvez la vie. Ouais, mais par contre, je ne veux pas que ça se reproduise. Je sois bien clair entre vous non, et moi. Non, mais vous savez, quand il... Quand c'est comme ça, il faut pas calmer, il faut me tomber d'un coup et je serai calme d'un coup. Oui, non, mais... Alors, par contre, il y a un arrangement entre vous et moi. Bien entendu, je veux pas que madame la commissaire soit au courant parce que non seulement moi, je vais me faire taper sur les doigts. Et vous, je pense oui, non, que votre métier... Et bien sûr, je pense que vous, votre métier, vous pouvez dire adieu. On est bien d'accord? Oui, je pense... Ok, d'accord. Et la deuxième petite chose, dans la cellule, vous avez fumé du joint. Ah bon? Oui. Et j'aimerais bien savoir où est-ce que vous avez trouvé ce cannabis. Je me souviens plus du tout de rien. Vous ne souvenez de plus rien du tout? Plus du tout, du tout, du tout. D'accord. Je m'en excuse. Non, faut pas s'excuser, surtout pas. Du coup, c'est ce que vous allez faire? Parce que dans ce petit milieu de taxi, je crois que vous transportez pas mal de clients. Oui. Ouais. Faites ce que vous avez à faire pour essayer de trouver quelques emplacements. Me dire. Attendez. Vous essayez. Me demander. De me vous avez très bien. Pour un accro. Trafiquant devant tous les clients. Non. Je veux simplement savoir. Parce que là, si vous avez du cannabis sur vous, c'est que vous l'avez acheté quelque part. Oui. Bon. À moi, vous vous en fumez pas où? Enfin, là, j'en ai pas sur moi. Mais... Ah bah, je sais pas. Vous, dans la prison, vous avez voulu m'en donner. Je vous ai pas fait une fouille parce que je ne peux pas là ce soir, mais. Ah oui, parce que. Est-ce que vous aurez trouvé un petit 100 grammes de cannabis là? Comment? Je pense à mon avis. Je pense que vous aurez pu trouver 100 grammes de cannabis. En plus. Mais je pouvais pas le faire ce soir, c'est ballot. C'est ballot. Hein. C'est ballot. Donc, vous l'avez trouvé quelque part. Uh-huh. Ouais, mais pour le moment, tu peux pas le faire, Vassili. Tu le feras après. Uh-huh. Uh-huh. Donc, vous l'avez trouvé où alors? Je me souviens plus du tout. Je vous en comme, c'était un dealer. Je crois qu'il s'appelait Rodriguez, quelque chose comme ça. Monsieur Rodriguez, mais je vous ai déjà dit tout à l'heure que c'était mon cadet. Je me souviens plus de rien. Donc si c'est mon cadet Rodriguez, ça va choper pour lui aussi. Je sais pas, mais je crois qu'il un de ses collègues a dit, l'appelait pas Rodriguez. Je me souviens plus. Mais elle a bien compliqué votre histoire là. Donc vous vous débrouillez pour essayer de retrouver quelques infos. Et moi je veux pas tout connaître le réseau, je veux juste simplement connaître un emplacement afin que je puisse surveiller cet emplacement là afin de savoir qui y va. C'est tout ce que je veux. Vous avez bien compris? Vous avez bien compris? Je suppose que vous avez certainement des noms à me donner. Là maintenant, comme je vous ai dit, Rodriguez, quelque chose. Rodriguez, mais je vais le convoquer demain, Rodriguez. Je vais parler un petit peu avec lui, voir s'il a quelques infos. Parce que ça m'étonnerait qu'il vous ait donné du cannabis. Mais s'il vous en donne, il risque de passer un sale quart d'heure. Je me souviens vraiment plus, monsieur. Vous en finissez plus du tout. Je suis désolé. Non, mais je peux vous dire à peu près l'endroit approximatif, mais je connais plus. Je me souviens plus. Bon. Donc, comme je vous ai dit, sur votre rapport, il y aura donc excès de vitesse de moins 20 km/h avec un point en moins sur votre permis.
Normalement, vous avez aussi conduite dangereuse. Je vais la laisser cette conduite Non, dangereuse. non, non, Si, je vais la non, non, laisser. non, 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 s'il vous plaît, ça m'a porté préjudice, la conduite est dangereuse, vous comprenez? Si, je vais le laisser. Comme ça va vous Non, faire, ça va vous non, ramener, ça va vous non, faire ramener la mémoire. non, 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 Et non, s'il ensuite, vous plaît, s'il vous l'article plaît. 20-18 et le 20-12, Quoi, avec quoi, les... quoi, 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 quoi? ça saute, d'accord? Ça saute. Ah! Mais quand il Mais est dangereux, ça peut sauter non, aussi. bah ça c'est à vous de faire travailler votre mémoire. Je vais le mettre en garde à vue. Ah, putain, j'en appelle. Un Ah. appel urgent. Oui. Ah! Ah. Ah, non, non, Ah. pas du tout. En fait, j'ai. Ah, ben non. Ah! Vous Ah. pouvez me déposer la supérette, je vais bientôt mourir, s'il vous plaît. Enfin, mourir, me déshydrater. S'il vous plaît. Vite, venez, on y va. Vous avez reçu quelque chose là, non? Vite, 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 vite. Vous allez vraiment mourir? Ah, là. Ah. Tiens, j'ai la Ah. gorge sèche. J'ai voulu vous en donner, mais ça marche pas, hein. C'est dommage, hein. Ah, ça marche pas comme tout. Comme le cannabis. Enfin, ça, c'est vous qui l'avez dit. Moi, j'ai rien reçu, monsieur Dureuil. Ah, déposez-moi, attendez-moi. Ah. Attendez, je vais m'acheter ce qu'il faut, attendez. Mince! Ah! Oh là! N'importe quoi. Ah! J'ai fait tomber un petit truc. Gardez-le. Mais j'en veux pas, monsieur Dureuil. Je vois pas de quoi vous parlez. J'ai retrouvé ça à votre pied, monsieur Dureuil. Ah, mais c'est pas à moi ça. Attendez, gardez-le. Ah Hein. non, c'est pas à moi non plus. Ah ça c'était putain, mais pas bougez pas. Ah voilà. ah bah c'est quoi ce bazar? J'ai Ah bah non, mais gardez-le, c'est quand même à vous. Et on oublie la conduite dangereuse. Parfait. ah comment? Montez Ah dans le bah je sais pas, véhicule. c'est dans la nourriture. Vous voulez jouer à quoi, monsieur Duroy, là en fait? Mais attendez, je bois mon coca. Je vois pas de quoi vous parlez. Je joue à aucun jeu. Ah, si. Ah bah je comprends pas. Expliquez. Ah, vous roulez un peu n'importe comment. Vous faites un peu ce que vous voulez. Vous fumez du cannabis. Vous Mais c'est pas agressez les moi, agents. Et après, Mais une fois que vous avez non. l'esprit clair, vous vous souvenez de rien et vous donnez de l'argent pour qu'on ferme les yeux. Ah, quel argent? Je suis confus, excusez-moi, je comprends pas. Vous me parlez d'argent? Je Je sais comprends pas, pas. j'ai retrouvé de l'argent dans mes poches. Bah, c'est votre argent, ça. Non, c'est pas la mienne. Votre argent. Ah non, c'est pas la mienne. Bah, vous avez de l'argent dans votre poche, je suis pas magicien, je peux pas vous l'expliquer comme ça. Mais monsieur Dureuil, vous savez qu'il y a une GoPro en route là. Enfin, je crois même qu'il y en a deux des GoPro, non? Oui, tout à fait, mais écoutez, moi je n'ai glissé aucun argent, je vois pas de quoi vous parlez, agent. Alors donc vous n'avez rien glissé mais moi j'ai trouvé ça, il faut que je le donne à quelqu'un moi. Non, 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 ça m'appartient pas, Bah j'aime pas. ça m'appartient pas non plus monsieur Dureuil. Mais si ça vient dans votre poche, ça vient dans votre poche. Non, 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 me donnez pas ça. Mais c'est pareil, me le donnez pas non plus monsieur Dureuil.
Mais arrêtez de me le donner. Ah ouais, il a même pas donné. Moitié. Ah non, 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 Michel Duroy, là par contre, ça va aller trop loin. On y là, va, pardon. On y va, on y va. Allez, vas-y, montez. Non, non, vous descendez montez, de la voiture. Montez. Pardon. Hop, hop, pardon. Ah bah, moi ça me va hein, comme ça. Descendez, Michel Duroy. Allez-y, je vous emmène. Non, non, vous descendez, Michel Duroy. Michel Duroy, on arrête tout de suite. Ah, c'est bon, 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 c'est bon. Je ne vois absolument pas de quoi vous parlez. On l'a fait. Non. Bon, je pense que cette boutade a assez duré. Laissez-moi ici, je vais partir. Voilà, écoutez-moi bien, monsieur Duray. Oui. Attendez, je me garde. Donc il y aura aucun rapport pour ce soir. Ah, ça me fait plaisir. J'en toucherai quand même de moi la commissaire. Quoi ? Non, 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 non. Salut Adrien. Ah ! Arrêtez, mais... Attendez. Monsieur Duroy, ça peut aller très très loin, vous savez. Je vois pas de quoi vous parlez et je me rappelle absolument pas d'incident qui s'est passé derrière moi au commissariat avec vous. Vous en savez un peu plus? Une adresse? Un nom?